Et bonsoir, je vous refais le coup du pilou pilou et pas coiffé, enfin plutôt ébouriffé. Petite lecture ce soir et après je file au dodo parce que j'ai une grosse migraine. Voilà. Donc Gatsby était plutôt explicite auprès de Tom, tant qu'au présumé sentiment de Daisy à son égard. À ce moment, Jordan et moi tentâmes de nous éclipser, mais Tom et Gatsby, rivalisant de fermeté, insistèrent pour que nous restions, comme si aucun d'eux n'avait rien eu à cacher et qu'ils tinssent pour un privilège d'éprouver leur émoi par procuration. Assieds-toi, Daisy. La voix de Tom cherchait sans les trouver les accents paternels. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Je veux tout savoir. Je vous ai dit ce qui s'est passé, dit Gatsby, ce qui se passe depuis 5 ans. Sans que vous le sachiez. Tom se tourna vivement vers Daisy. Tu fréquentes cet individu depuis 5 ans? Elle ne me fréquente pas, dit Gatsby. Non, nous ne pouvions pas nous rencontrer, mais nous n'avons pas cessé de nous aimer pendant tout ce temps, mon vieux, sans que vous le sachiez. Je riais parfois, mais il n'y avait pas la moindre gaieté dans ses yeux, en pensant que vous n'en saviez rien. Ah, c'est donc tout. Tom tapota les bouts de ses doigts épais les uns contre les autres à la manière d'un homme d'église et se renfonça dans son fauteuil. Il explosa. Vous êtes cinglé. Je ne peux pas parler de ce qui s'est passé il y a 5 ans parce que je ne connaissais pas encore Daisy. Et je veux bien être pendu si je comprends comment vous avez fait pour vous approcher d'elle, à moins de livrer les commandes d'épicerie par la porte de service. Mais tout le reste n'est que mensonge, sacré nom. Daisy m'aimait quand elle m'a épousée, et elle m'aime toujours. Non, dit Gatsby en secouant la tête. C'est pourtant le cas. Le problème, c'est qu'il lui arrive de se mettre des idées sottes dans la tête et qu'elle ne sait plus ce qu'elle fait. Il hocha le menton à la manière d'un vieux sage. Et qui plus est, moi aussi j'aime Daisy. Je fais quelquefois la bringue et me conduis comme un imbécile, mais je reviens toujours et dans mon cœur, je ne cesse pas de l'aimer. Tu es révoltant, dit Daisy. Elle se tourna vers moi et sa voix, baissant d'un octave, emplit la pièce d'un mépris qui donnait le frisson. Sais-tu pourquoi nous avons quitté Chicago? Je m'étonne qu'on ne t'ait pas encore servi le récit de cette petite bringue. Gatsby alla se mettre à ses côtés. Daisy, tout cela est terminé maintenant, dit-il avec gravité. Cela n'a plus d'importance. Il suffit que tu lui dises la vérité, que vous ne l'avez jamais aimée, et tout sera effacé à jamais. Elle le regarda d'un regard qui ne voyait rien. Mais comment pourrais-je l'aimer, lui? Comment? Vous ne l'avez jamais aimé. Elle hésitait. Ses yeux se posèrent sur Jordan et sur moi, comme si elle nous appelait à l'aide et comprenait enfin ce qu'elle faisait, et comme si elle n'avait jamais eu à aucun moment la moindre intention de faire quoi que ce fût. Mais c'était fait à présent, il était trop tard. Je ne l'ai jamais aimé, dit-elle avec une réticence manifeste. Pas même à Capiolani? Demanda Tom soudain. Non. Dans la salle de bal, à l'étage au-dessous, montaient avec les bouffées d'air brûlant des accords assourdis et suffocants. Pas même le jour où je t'ai porté quand nous sommes redescendus de Punch Bowl et que pour que tu ne mouilles pas tes chaussures, il y avait dans la voix des accents tendres et voilés. Daisy? Non. Je t'en prie. Le ton était glacial, mais toute rancœur en avait disparu. Elle regarda Gatsby. Voilà, Jed, dit-elle, et elle essaya d'allumer une cigarette, mais sa main tremblait. Elle jeta brusquement la cigarette et l'allumette encore enflammée sur le tapis. Ah, tu en demandes trop, cria-t-elle à l'adresse de Gatsby. Oui, c'est toi que j'aime maintenant. Est-ce que cela ne te suffit pas? Je ne peux pas empêcher ce qui s'est passé. Elle éclata en sanglots, incapable de se retenir. Je l'ai aimé autrefois, mais je t'aimais toi aussi. Gatsby écarquilla les yeux, puis les ferma. Tu m'aimais moi aussi? Répéta-t-il. Même ça, c'est un mensonge, dit Tom, avec férocité. Elle ne savait pas que vous étiez vivant, que vous étiez vivant. Allons. Il y a entre Daisy et moi des choses que vous ne connaîtrez jamais, des choses que ni elle ni moi ne pourrons jamais oublier. Les mots étaient comme autant de morsures dans la chair de Gatsby. Je veux parler à Daisy en tête-à-tête, insista-t-il. Elle est très énervée maintenant. Même en tête-à-tête, je ne pourrais pas dire que je n'ai jamais aimé Tom, avoua-t-elle sur un ton pitoyable. Ce ne serait pas vrai. Bien sûr que non, approuva Tom. Elle se tourna vers son mari.
Comme si ça avait la moindre importance pour toi, dit-elle. Bien sûr que ça a de l'importance. Dorénavant, je m'occuperai beaucoup mieux de toi. Vous ne comprenez pas, dit Gatsby, que la panique commençait à gagner. Vous n'allez plus avoir à vous occuper d'elle. Ah bon ? Tom ouvrit de grands yeux et éclata de rire. Il pouvait se permettre de conserver son sang-froid désormais. Et pourquoi donc ? Daisy va vous quitter. Absurde. On va s'arrêter là pour ce soir. Et je vous souhaite une bonne nuit. Moi, je file. À demain.